Yo tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va plutôt bien les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online, où je vais vous permettre d'être invincible dans un wall bridge vraiment sympa et plutôt spacieux, vous allez le voir. Je tiens à préciser qu'il faudra faire très attention à certains trous noirs qui pourraient être présents dans le wall bridge et qui par conséquent pourraient vous faire mourir à tout moment. Avant de vous montrer la localisation, je vais vous inviter à lâcher un like sur cette vidéo ainsi qu'à me donner vos astuces ou recommandations en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir si tous ensemble on atteignait l'objectif des 40 likes qu'on a vraiment du mal à atteindre la plupart du temps et je trouve ça vraiment dommage. Donc pour rentrer dans ce petit wall bridge, c'est très simple, rendez-vous au même endroit que moi sur la map et munissez-vous d'une voiture afin de la coller le mieux possible dans l'angle de ce mur comme moi. Vous allez grimper sur votre voiture et regrimper sur le mur et uniquement sur le même mur que moi dans la vidéo, car si vous grimpez sur l'autre mur, vous aurez la malchance de tomber dans un trou noir, ce qui est vraiment dommage et vous fera rater le glitch. Ce que je peux vous dire, c'est que la toute première bande de texture n'est pas faite de trous, vous pouvez donc y marcher en toute sécurité, mais plus vous éloignerez du mur, plus les trous noirs se rapprocheront, faites donc bien attention. Merci à tous de regarder la vidéo, lâchez un petit like pour m'aider à atteindre ce putain d'objectif qu'on a vraiment du mal à atteindre et je vous avoue que c'est un peu la cause de mon manque de motivation qui se fait de plus en plus grand au fil du temps. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux qui sont dans la description et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mon aventure qui sera comme toujours riche en contenu. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers.